élèves, Seigneur. Car toi seul es digne de louange. Toi seul es digne de notre adoration. Le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Notre appui, notre paix, notre justice, notre victoire. Reçois la gloire et l'honneur. Nous venons maintenant te recommander ces instants. Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Que ta parole puisse nous faire du bien. Que ta parole puisse nous éclairer. Que ta parole puisse nous montrer le chemin. Nous voulons travailler avec toi, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Et que l'homme disparaisse. Et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus, que le Saint dise Amen. Amen. Nous prenons directement nos Bibles. Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que Dieu bénisse sa parole. Nous devons nous asseoir. Que faire lorsque vous êtes attaqué? Beaucoup de gens me posent cette question. Que faire lorsque je suis attaqué? Homme de Dieu, je suis attaqué par les forces de la sorcellerie. Que dois-je faire? Tout est bloqué dans ma vie. Que dois-je faire? Que faire lorsque vous êtes attaqué? La Bible dit, il y a un temps où l'ennemi s'élève. Il y a un temps où l'ennemi s'élève contre nous. Nous devons savoir cela. Mais comment se comporter pendant ce temps-là? Comment se comporter quand nous sommes attaqués? Tu ne peux pas prier que l'ennemi ne t'attaque pas. On dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans la version originale, on dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu ne peux pas prier pour ne pas être attaqué. Mais tu dois savoir comment te comporter quand tu es attaqué. Si tu ne veux plus être attaqué, il faut mourir. Tant que nous sommes vivants, nous aurons des attaques, frères et sœurs. Mais comment nous comporter lorsque nous sommes attaqués? C'est ça ce qui est important. On dit, l'ennemi viendra. Si pas maintenant, si pas demain, le jour suivant, il viendra t'attaquer. D'une manière ou d'une autre. Mais comment vas-tu te comporter? Que devons-nous savoir quand on est attaqué? J'aimerais d'abord dire pourquoi une personne peut se retrouver dans les attaques de l'ennemi. Pourquoi une personne peut se retrouver dans les attaques de l'ennemi? Première chose,
Une personne peut se retrouver dans les attaques parce que l'ennemi veut les conquérir ou les dominer. Quand l'ennemi veut te conquérir, te dominer, il va t'attaquer. Beaucoup de fois, quand l'ennemi nous attaque, c'est pour nous dominer, c'est pour nous contrôler. L'ennemi, pour agir, il a besoin des gens. Il a besoin des canaux. Et pour nous contrôler, nous conquérir, nous dominer, l'ennemi peut nous attaquer. Deuxième chose, une personne peut se retrouver dans les attaques quand l'ennemi veut les détruire. La Bible dit qu'il a pour mission détruire, tuer, voler. C'est ça la mission de l'ennemi. Il ne peut pas faire autre chose que cela. Donc, tu peux te retrouver dans les attaques quand l'ennemi veut te détruire, quand l'ennemi veut voler tes bénédictions ou quand l'ennemi veut te tuer. C'est pourquoi la Bible dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il est toujours en train de chercher qui je peux dévorer, qui je peux détruire. Toi, tu dors, mais l'ennemi ne dort pas. Donc, une personne peut se retrouver dans les attaques quand l'ennemi veut les détruire, quand l'ennemi veut les tuer, quand l'ennemi veut voler ses bénédictions. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Troisième chose, une personne peut se retrouver dans les attaques quand l'ennemi veut combattre sa destinée. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas peur de votre présent. L'ennemi n'a pas peur de votre passé, mais l'ennemi a peur de votre avenir. Quand l'ennemi voit que vous avez une étoile, l'ennemi va vous combattre. Donc, tu peux te retrouver dans les attaques quand tu as une destinée. Quand l'ennemi remarque que si je la laisse, elle va devenir ceci. Je vais empêcher que cet avenir, ce plan merveilleux que Dieu a pour cette personne puisse s'accomplir. Quand vous avez une destinée, sachez que vous aurez des attaques. Vous demandez, mais pourquoi on m'attaque? Moi, je n'ai rien. Mais pourquoi les gens s'acharnent contre moi? C'est parce que vous avez un avenir merveilleux. Dans le monde des ténèbres, on remarque des gens, on dit, cet enfant, cette soeur a une étoile. Si nous la laissons entrer dans les mariages, c'est fini. Nous devons l'empêcher d'entrer dans les mariages. Vous remarquez, vous rencontrez toujours des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. L'ennemi a peur de votre destinée maritale. Donc une personne peut se retrouver dans les attaques. Quand, si une personne a une destinée, l'ennemi remarque. Il dit, je ne vais pas laisser cette personne comme ça. Je dois l'attaquer pour que cet avenir-là ne puisse pas s'accomplir. Je déclare que malgré les attaques de l'ennemi, ton avenir glorieux s'accomplira au nom de Jésus. Je dis ça s'accomplira au nom de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu entreras dans ta destinée. Tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus. C'est pourquoi l'enfant Jésus, il n'avait fait aucun péché. Il n'avait rien fait de mal. Mais le fait qu'il avait une destinée prophétique, l'ennemi a dit non. Je vais chercher à éliminer cet enfant. Un bébé, mais on veut l'éliminer. Pourquoi? Pour empêcher à ce que les promesses de Dieu, sa destinée, puisse s'accomplir. Quatrième raison. Une personne peut se retrouver dans les attaques quand votre existence fait peur aux personnes qui sont dans les ténèbres.
Vous savez, frères et sœurs, quand vous êtes en train de déranger ceux qui sont dans les ténèbres, vous pouvez vous retrouver dans les attaques. Vous devenez un pion gênant. Quand vous êtes en train de troubler ceux qui sont dans les ténèbres, vous allez être sous des attaques. Quand tu es en train de déranger les œuvres des ténèbres, vous allez être dans les attaques. Moi, une fois, quand nous étions de l'autre côté, j'avais parqué ma voiture. C'était la parcelle suivant l'église, là où on priait. Je n'avais pas très bien parqué, mais ça ne devait pas faire l'objet de beaucoup de problèmes. À la fin de la prière, j'ai terminé tout ça. Je vais monter dans ma voiture. Je vois le voisin là venir tonner sur moi. Il commence à dire, tu es un faux pasteur. Je vais te taper, je vais te frapper. Ce papa, je ne le connais même pas. Mais comment il peut me qualifier de faux pasteur? Quel mal ai-je fait? J'ai vite compris que nous sommes en train de déranger. Frères et sœurs, nous sommes en train de déranger les œuvres des ténèbres. Quand tu es en train de déranger ceux qui sont dans les loges sataniques, ceux qui sont dans la sorcellerie, il faut t'attaquer. Pourquoi toi seulement la prière? Pourquoi toi tu ne veux pas te méconduire comme les autres? Donc une personne peut se retrouver dans les ténèbres, dans les attaques, quand il est en train de déranger dans le royaume des ténèbres. Quand vous êtes avec les personnes qui ont la sorcellerie, les personnes qui vivent une mauvaise vie, vont commencer toujours à te provoquer, à t'attaquer verbalement. Mais c'était une attaque verbale. Et j'ai senti la violence. Dieu m'a dit, c'est le diable que tu viens de chasser. Je n'ai dit ni oui, ni non. J'ai dit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand je suis arrivé, même devant l'église, on avait parqué. Il n'y avait pas de place pour parquer. J'ai parqué de façon à ce que, à vous laisser même l'entrée à votre parcelle. Il a beaucoup parlé, j'ai dit seulement pardonne-moi. C'était fini. Je suis entré dans la voiture, je suis rentré. J'ai compris que nous étions en train de déranger. Bien-aimés, quand vous êtes en train de déranger les œuvres des ténèbres, vous serez attaqué. Vous êtes comme en train de contrecarrer leurs plans. Moi, des fois, je reçois des gens qui sont en train de m'injurier, de me qualifier. Et vite, je comprends, parce que je suis en train de dénoncer les œuvres des ténèbres. Je suis en train de dénoncer la sorcellerie. Tout le monde ne sera pas content de moi. Je suis en train de déranger. Quand une personne est en train de déranger le monde des ténèbres, il sera sous les attaques. Cinquième chose. Une personne peut être attaquée quand tu as échappé de mains de contremaître, de gens pour qui tu étais comme leur esclave. Quand tu as échappé de mains de contremaître, de gens pour qui tu étais leur esclave, tu seras sous des attaques. Remarquez le cas des enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens ont commencé à regretter. Ah, qui vont construire pour nous les palais? Qui vont construire pour nous? Qui vont faire pour nous les travaux? Directement, Pharaon et toute son armée se sont mis à attaquer les enfants d'Israël. Quand tu es esclave, tu t'échappes, les forces des ténèbres vont chercher à t'attaquer, à te faire revenir dans une position d'esclavage. C'est pourquoi beaucoup, vous ne comprenez pas pourquoi il y a beaucoup d'attaques
Parce que tu as quitté leur camp. Quand tu étais dans le monde, tu étais bien. Parce que tu étais leur esclave. Maintenant que tu pries, ils n'arrivent pas à te contrôler. Ils n'arrivent pas à utiliser ton étoile. Donc ils sont en colère contre toi. Pharaon et toute son armée étaient en colère contre les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne pour faire pour eux les travaux domestiques. D'autres, vous ne comprenez pas. Depuis que vous avez dit non à l'impudicité, non à la boisson, à la vie des désordres, vous commencez à recevoir beaucoup d'attaques. C'est normal. Parce que quand vous étiez dans ces choses-là, ils pouvaient vous contrôler. Ils pouvaient vous maîtriser. Mais depuis que vous avez dit non, vous avez échappé à leur contrôle. Donc ils vous attaquent pour vous ramener en Égypte. Pour vous ramener à une vie de désordre. C'est comme ça qu'agit le diable. Quand la nuit, il pouvait blaguer avec toi, tu étais comme leur cheval. Tu n'avais pas de problème. Maintenant, la nuit, quand ils viennent, ils trouvent le lion de la tribu de Juda. Il dit, mais nous allons utiliser quel cheval? Lui nous a échappé. Nous devons l'attaquer. Lui mener la vie dure. J'ai dit que malgré les attaques, Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Ne rentre pas au monde. Tu es bon, mon frère. Tu es bon, ma soeur. Sixième raison. Une personne peut être attaquée si les gens, pour une raison ou pour une autre, ne veulent pas voir cette personne. Il y a des gens, tu ne sais pas, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Il y a des gens qui ne veulent pas te voir, qui ne veulent pas te sentir. Donc tu peux être attaqué par ces gens-là. Qui ne veulent pas te voir en bonne santé. Qui ne veulent pas te voir te marier. Qui ne veulent pas te voir avoir la paix dans ton mariage. Qui ne veulent pas te voir réussir. Donc, tu peux être attaqué pour cette raison-là. Il y a des gens, ils sont contents quand tu plais. Quand tu viens leur demander, donne-moi 50 dollars, donne-moi 100 dollars. Ah, je suis toujours maître. Mais quand tu dis non, moi, je ne peux plus dépendre des gens. Moi, je ne peux plus chaque fois venir quémander. Donc, il y a des gens qui nous attaquent, qui ne veulent pas nous voir, qui ne veulent pas nous sentir. Pour une raison ou une autre. D'autres même sans raison. Bien-aimés, quand vous remarquez, dans l'histoire, il y a une ville. La ville de Jérusalem. Aucune ville n'a été attaquée comme Jérusalem. Cette ville a été beaucoup de fois attaquée. Pourquoi? À cause de la destinée prophétique de cette ville-là. Donc ça veut dire que si vous êtes bombardé, si vous êtes attaqué de toutes parts, au service, à la maison, dans la famille, au quartier où vous habitez, avec les amis, ça veut dire que vous avez une destinée prophétique. Ça veut dire que l'ennemi a peur de votre destinée. Comme on dit toujours, on jette les pierres dans un arbre où les fruits sont mûrs. Si les fruits ne sont pas mûrs, les gens ne vont pas jeter des pierres. Donc, si vous êtes attaqué de toutes parts, c'est parce que les gens ont vu quelque chose de bon en vous. Ils veulent vous décourager. Ils ne veulent pas que cette chose-là puisse se réaliser. Je dis que malgré les attaques, tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Tu accompliras ta destinée prophétique au nom de Jésus. En tant que chrétien, frères et sœurs, soyez rassurés que vous serez attaqués de temps en temps. Même notre maître a été attaqué.
décision. En tant que chrétien, quand vous êtes attaqué, vous devez savoir prendre de bonnes décisions. Et les bonnes décisions sont axées, sont basées sur les principes bibliques. Quand vous êtes attaqué, vos décisions doivent être basées sur la parole de Dieu. Il y en a quand ils sont attaqués, ils abandonnent la parole. Ils veulent aider Dieu. Ils mettent la parole à côté. Pasteur, homme de Dieu, je vais me débrouiller autrement. Ça, ce n'est pas écrit. Quand vous êtes attaqué, toutes les décisions que vous devez prendre, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Toi, tu es attaqué, tu vas consulter les féticheurs. Oh non, j'aimerais voir qui est en train de me faire cela. Est-ce que cette décision est basée sur la parole de Dieu? Non. Il a dit, tu ne consulteras pas les magiciens, les diseurs de bonne aventure. Tu ne vas pas aller chez ces gens-là. Toi qui vas chez eux, et eux-mêmes, vous êtes sous la condamnation de Dieu. Quand tu es attaqué, toutes tes décisions doivent être basées sur le principe de la parole de Dieu. Comme j'ai parlé avec une sœur, il m'a dit, pasteur, moi, on m'a bloqué partout. Alors, pour m'en sortir, en tout cas, des fois, je vais avec les hommes qui me donnent quelque chose. Je sors avec l'homme, il me donne quelque chose, je vis avec ça. Je lui dis, ça c'est quelle vie? Au lieu de chercher la délivrance, toi tu es toujours en train de passer ta vie comme ça. Tu sors avec, il te donne quelque chose, tu vis avec ça. Donc ils t'ont condamné. Ça c'est la vie qu'ils ont planifiée pour toi. Ils te bloquent partout pour que tu sois dans la prostitution. Donc quand tu es attaqué, toutes tes décisions doivent être basées sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis attaqué que je dois trahir l'alliance de mon Dieu. Ce n'est pas parce que je manque ceci ou cela que je dois me compromettre. Non! Quand tu es attaqué, toutes tes décisions doivent être basées sur la parole de Dieu. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Maintenant, que faire? Première chose, quand tu es attaqué, il ne faut pas être paniqué. Ne sois pas paniqué. Beaucoup de gens, quand ils sont attaqués, ils tremblent, ils sont agités. Ils sont paniqués. Psaume 46, verset 10. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dit après moi, je dois garder le calme. Malgré les attaques, je dois garder le calme. Le verset 10, la Bible dit ceci. Non, le verset 11, pardon. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ne soyez pas paniqués, mais plutôt louez le Seigneur. Amen. La panique, la peur peut t'amener au trouble et à la confusion. Quand vous êtes paniqué, le diable peut vous proposer beaucoup de solutions. Quand vous êtes paniqué, vous n'allez plus raisonner. Vous allez faire du n'importe quoi. Comme je suivais le cas d'une maman qui était attaquée par les forces des ténèbres. Cette maman-là, elle va rencontrer quelqu'un, un prophète là. Parce que souvent quand vous êtes attaqué là, vous allez n'importe où. Cette maman est allée chez un prophète. Le prophète lui a dit, maman, je dois faire pipi devant la porte de ta maison pour chasser les démons.
fait enlever les diligences. J'ai attendu vers 01 quand toutes les portes étaient fermées. J'ai fait pipi devant la porte de ma maison pour chasser les mauvais sorts. Rendez-vous un peu compte de cela. Et le matin, les gens viennent, ils voient. Oh, mais ça sent mauvais. Non, c'est pour chasser les mauvais sorts. Ne soyez pas niqués. Vous pouvez avoir même un enfant qui est malade. Vous pouvez être attaqué dans votre santé. Vous pouvez être attaqué dans vos affaires. Soyez calme. Ne soyez pas paniqué. Ne soyez pas agité. Quand vous êtes agité, vous proposez n'importe quelle solution. Il faut qu'on te lave. Et tu acceptes aussi qu'on te lave. Beaucoup de fois, au lieu de sortir du problème, nous enfonçons encore davantage. Donc, quand tu es attaqué, il faut être calme. Dis après moi, je dois garder mon calme. Hein. Je dois garder mon calme. Hein. Malgré les attaques de l'ennemi. Malgré la rage de l'ennemi. Je dois garder mon calme. Alléluia, Église. Même si l'ennemi graisse les dents. Même s'il vocifère. Même s'il crie. Tu dois garder ton calme. Une de mes filles, elle était venue à la prière. Après la prière, elle sort. Quand elle sort comme ça, elle va être abordée par un monsieur. Le monsieur s'approche d'elle. Il lui dit, ma soeur, je vois comme si tu viens de l'église. Oui, mon frère. Oui, là où tu viens de l'église, est-ce que tout ce que tu as demandé à Dieu, est-ce qu'il t'a donné? Est-ce qu'il t'a entendu? Est-ce qu'il t'a exaucé? La sœur dit non. Suis-moi. Je vais te montrer quelqu'un. On va aller à un endroit. On va invoquer le même Dieu là. Et tu auras la réponse immédiatement. L'homme a commencé à parler à notre sœur. Et la sœur a commencé à écouter. À écouter ses messieurs. Jusqu'à ce que la sœur a suivi le monsieur. Jusqu'à c'est lui. C'était un marabout. Ok, le monsieur a fait des démonstrations. Il a invoqué des esprits. La sœur a vu comme ça. Et puis le monsieur lui a dit, bon, avant de continuer, tu dois me donner quelque chose de valeureux. Elle n'avait pas aussi l'argent. Elle lui a donné les téléphones. Le monsieur a fait des choses sur notre sœur. C'était comme si elle était envoûtée. C'est après seulement qu'elle va se rendre compte. Mais où est-ce que je suis? Qui est ce monsieur? Bien-aimée, après toutes ces cérémonies-là, elle est rentrée chez elle. Elle n'avait pas eu aussi la réponse. Parce qu'elle avait les problèmes de mariage. Toutes les cérémonies-là, ça n'a rien servi. Au contraire, elle a perdu encore son téléphone. Le jour qui a suivi, elle est rentrée, elle est venue à l'église. Pasteur, regarde ce que j'ai fait. J'ai dit, ce monsieur-là t'a fait entrer un mauvais esprit. Après la prière, on a commencé sa délivrance. Et l'esprit de ce marabout a commencé à parler dans la vie, dans le corps de notre soeur. Frère, ce soeur, ne soyez pas paniqués, ne soyez pas agités. Si vous êtes agités, si vous êtes paniqués, on va vous proposer toutes sortes de solutions. Va à gauche, va à droite, prosterne-toi. Dors avec les gens qui sont décédés. Tu auras la chance. Toi aussi. Ah, pasteur, j'ai trop souffert. Je n'ai pas le choix. Si tu as le choix de dire non. Alléluia, Église. Ne soyez pas paniqués. Ne soyez pas agités. Peut-être la personne qui s'approche de toi, c'est ton ennemi. On m'a raconté l'histoire d'une famille. Ils habitaient les maisons, voyez, ensemble. Alors, dans l'autre maison, il y avait un monsieur là qui était dans les fétiches, qui voulait sacrifier l'enfant d'une sœur. Et qu'est-ce que ce monsieur faisait?
vers 1h, il envoyait les flèches de la sorcellerie sur l'enfant. Quand la maman voyait cela, elle s'est levée et priait. Et les flèches étaient neutralisées. Chaque 0h, 1h, il y avait des attaques. Une fois la maman était distraite, le monsieur l'a frappé des flèches et l'enfant était vraiment mort. La sœur a commencé à prier, Elle entend quelqu'un frapper dans la porte. Toc, 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 toc. Monsieur vient. Ça va, madame? Comment va votre fils? La dame lui dit, non, tout va bien. Non, votre fils est malade. Prends ça. Il donne une bouteille là, il y avait quelque chose là à l'intérieur, comme une liquide là. Il dit, prends ça, tu donnes à ton enfant. La dame prend cela. Quand elle rentre, l'esprit lui dit, ne lui donne pas. Ça, c'est la mort de l'enfant. Si tu lui donnes ça, le monsieur va achever cet enfant. Et notre soeur s'est levée dans la prière. Elle a commencé à renvoyer les flèches de l'ennemi là où ça venait. Alléluia, Église. Imaginez un peu si elle était agitée. Si elle avait accepté et donné à son enfant serait décédé la nuit-là. Et heureusement, gloire à Dieu qu'elle a dit non. Mon enfant va bien. Je ne vais pas lui donner cela. Et quand elle a prié, la nuit-là, la maladie était partie. Et le monsieur a commencé à souffrir. Il y a eu le retour à l'expéditeur. Je déclare, il y aura le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Les flèches de l'ennemi vont se retourner vers les personnes qui ont tiré cela. Au nom de Jésus. Isaïe 30, verset 15, la Bible dit, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Vous devez être calme et serein. Même si le mariage ne vient pas, sois calme. Amen. Tu peux rencontrer un sataniste comme ça qui vient. Ma soeur, Dieu m'a envoyé vers toi. Tu viens de l'église, non? Tu as prié, tu pries pour que Dieu te donne le mari. Je suis ce mari-là. Oh. Mais comment ce monsieur peut me dire ça? Il y a même des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais ce sont des aventuriers, ce sont des agents des ténèbres. Et toi, tu dis, ah, vraiment, ça, c'est Dieu. C'est le mari que j'ai cherché. Or, cet homme-là vient pour te sacrifier. Après quelques temps, tu commences à voir de mauvais songes. Ne sois pas paniqué. Sois calme et confiant en l'Éternel. Quand nous sommes attaqués, il y a plusieurs choses, propositions qui viennent. Fais ça, va là-bas, fais ceci. C'est comme si ça ne marche pas. Sors ici, entre ici. Il faut être calme. Deuxième chose, quand tu es attaqué, il faut analyser la situation. Analyser la situation avec la sagesse de Dieu. Quand tu es attaqué, tu dois analyser la situation avec la sagesse de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 14. La Bible dit ceci. Au jour du malheur, réfléchis. Amen. Le jour du malheur, c'est le jour de l'attaque. C'est le jour où il faut réfléchir. C'est le jour où il faut tirer des leçons. Les crises et les problèmes sont inévitables. Mais nous devons tirer des leçons des crises et des problèmes. Tu es attaqué, achète-toi, réfléchis. Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Beaucoup de gens, s'ils pouvaient réfléchir, Dieu pouvait leur montrer la solution pour sortir de leurs problèmes, de leurs attaques. Troisième chose, quand tu es attaqué, il faut utiliser les conseils des gens qui craignent Dieu. Proverbe 11, verset 14. L'ignorance est destructive. Ne négligez pas la connaissance.
Nous ne connaissons pas tout. Nous avons besoin des uns et des autres. Essayez de contacter des personnes qui connaissent Dieu, qui ont la sagesse de Dieu, qui peuvent nous aider. La Bible dit, le projet échoue faute de conseillers. Quand tu es attaqué, tu as besoin de conseils. Conseils des gens qui craignent Dieu. Beaucoup de femmes mariées, quand elles ont des problèmes dans leur couple, tu vas voir ton ami. Cet ami-là n'est pas marié. Quel conseil va te donner? Cet ami-là ne craint pas Dieu. Il va te dire, ah, ma chère amie, il faut sortir de cette affaire-là de mariage. Moi-même, ce que tu vois là, je ne suis pas marié, mais j'ai la paix. Je vis bien. Donc, faites attention aux personnes auprès de qui tu vas demander conseil. Quand tu es attaqué, tu as besoin de gens qui craignent Dieu pour te conseiller. Les hommes de Dieu sont là. Il faut partager avec eux. Ils peuvent te guider, te montrer comment te comporter vis-à-vis des attaques. Proverbe 11, verset 14. La Bible dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Mais le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Quatrième chose. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous êtes attaqué, vous devez vous attendre à la puissance de Dieu. Vous devez avoir la confiance en Dieu pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Vous devez faire confiance en Dieu pour vous faire sortir de ces attaques sataniques. Des fois, l'adversité est le signe que la bénédiction est proche. Quand tu vois les attaques se multiplier, des fois c'est le signe que Dieu maintenant fait manifester sa puissance dans ta vie. Amen. Hein? Les femmes qui ont eu déjà des enfants savent. Quand tu vois que les douleurs deviennent atroces, ça veut dire que l'accouchement, ça devient prêt. Quand tu vois les attaques venir se multiplier, s'intensifier, ça veut dire que ta bénédiction est proche. Ce n'est plus le moment d'être dans la distraction. C'est le moment de te concentrer dans la prière. C'est le moment de s'attendre à Dieu pour que Dieu manifeste sa puissance, pour que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Hein? Bien-aimé, c'est facile quand on est attaqué de dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu est le Dieu de délivrance. Dieu est capable de nous délivrer des attaques sataniques. Dieu est capable de nous délivrer de ces preuves. Quand on avait arrêté Shadrach, Meshach et Abednego, on avait chauffé la fournaise ardente 7 fois. Leur mort était presque arrêtée. Mais la Bible dit que Dieu est intervenu. Dieu a changé la situation. Je déclare aussi que mon Dieu changera ta situation au nom de Jésus. Il interviendra dans ta situation. Ne désespère pas. Accroche-toi à Dieu. Aie confiance en Dieu. Quand tu es attaqué, c'est le meilleur moment de se confier encore davantage à l'Éternel. Cinquième chose, quand tu es attaqué, tu dois combattre. Utilisez les armes spirituelles. La parole de Dieu, le nom de Jésus, la louange, le témoignage. Quand tu es attaqué, c'est le moment de combattre. L'ennemi vient nous attaquer sous toute forme. C'est le moment de s'élever dans la prière. D'utiliser les armes de Dieu. Quand tu es attaqué, c'est le temps d'utiliser les armes de Dieu, la parole. Lisez la parole, proclamez la parole. Quand tu es attaqué par l'esprit de mort, déclarez, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il a dit, tu entreras dans les sépulcres, dans la vieillesse. Je n'ai pas encore atteint la vieillesse.
Je refuse de mourir avant mon temps au nom de Jésus. Déclarez les bonnes choses. Moi, je vais me marier au nom de Jésus. Je porterai la bague des mariages au nom de Jésus. Je serai honoré. Je réussirai au nom de Jésus. Toi, Satan, sache une chose. Tu n'auras pas l'ennemi sur moi. Tu seras vaincu. Tu seras vaincu au nom de Jésus. L'envoûtement sera vaincu au nom de Jésus. Déclarez. Déclarez votre victoire. Combattez. Quand tu es attaqué, c'est le moment de combattre. Résistez. Ne baissez pas les bras. N'acceptez pas la défaite. Beaucoup de nos sœurs ont accepté la défaite. Tu vas comme ça. Ah, pasteur, j'ai même oublié cette affaire de mariage. Comme me disait une sœur, pasteur, moi quand un homme s'approche de moi et me dit, je t'aime, je t'apprécie, parce que j'ai envie de donner un coup de poing à ces messieurs-là. Parce que j'en ai trop entendu. Voilà une personne qui a accepté la défaite. D'autres sont là. Ils ont accepté la pauvreté. Ils ont accepté la maladie. Refusez cela. Combattez. Combattez la maladie. Combattez l'échec. Déclarez la parole de Dieu. Utilisez l'arme de la prière, l'arme des jeûnes. Le témoignage. La louange. Paul et Silas étaient en prison en train de louer et de danser pour Dieu. Louez Dieu, dansez pour Dieu. Résistez à l'ennemi. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Amen. Amen. Résistez. Résistez. Résistez aux attaques. L'ennemi veut te décourager. L'ennemi veut t'éloigner de Dieu. L'ennemi veut assez que tu ne puisses pas venir à la prière. Tu vas à la prière faire quoi? Regarde ta vie. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qu'il y a de bon? Toi aussi, tu regardes. Oui, c'est vrai. Hein? J'ai fait à l'église, je donne les dîmes, rien ne change dans ma vie. Je ne vais plus aller à l'église, je vais rester à la maison. Est-ce que tout ce qu'ils ont reçu sont allés à l'église? Ça, c'est l'ennemi. Ça, tu acceptes la défaite. Dis non, Satan, tu ne mourras pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre nos cœurs. Résistez. Résistez aux pensées de découragement. Combattez. Refusez la défaite. N'acceptez pas la défaite. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Ta situation changera. Bien-aimé, à un moment, j'étais attaqué par l'ennemi. L'ennemi a fait venir le découragement et beaucoup de choses. J'ai commencé à résister. J'ai dit non. C'est Dieu-là qui va me bénir. C'est Dieu-là. Même pas aujourd'hui, mais demain il va se manifester. Je n'ai pas de raison de rester à la maison. Je vais aller louer Dieu. Je vais aller gagner les âmes. Je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Quand j'ai résisté en combattant dans la prière, dans les jeûnes, l'ennemi a fui. Et j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu les bénédictions de Dieu. Oh, cet ennemi fuira au nom de Jésus. J'ai dit, il fuira. Il fuira. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Au nom de Jésus. Soyez spirituellement fort. Le combat demande la violence. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Même si tous s'élèvent contre toi, Dieu est avec toi. Même si tous te rejettent, il y a quelqu'un qui va t'accueillir, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il est la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, mais qui est devenu la principale de l'angle. Soyez spirituellement fort. Une autre chose, gardez ses pensées en toute diligence. Tu ne peux pas perdre le combat aussi longtemps que tes pensées, tu n'es pas vaincu. Ne permets pas à n'importe quelle pensée d'habiter en toi. C'est le combat. Il ne faut pas qu'il y ait les
découragement. Si tu es attaqué, il faut enlever le découragement. Quel est ce militaire qui va aller en guerre et gagner s'il est découragé? Même l'arme qu'on lui donne là, il va vendre ça, non? Allez, l'église. Une personne découragée ne peut pas aller au combat. Une personne qui a peur ne peut pas aller au combat. Mais nous sommes attaqués et nous serons toujours attaqués. Nous devons garder nos pensées. Aussi longtemps que tes pensées ne sont pas vaincues, ce qui accorde l'espoir que tu puisses vaincre. Amen. Hein? Il y a un combat qui se déroule au niveau des pensées. Quand tu es attaqué, il faut garder tes pensées. Enlève les pensées de découragement, les pensées de défaite, les pensées de condamnation, les pensées que ça ne va pas changer, même si tu pries, même si je vais où, ça ne va jamais changer. Ça, c'est les pensées de doute, d'incrédulité. Il faut enlever cela. Avant-dernière chose, n'abandonnez jamais. Quand tu es combattu, il faut la persévérance. Votre persévérance déstabilise l'ennemi. Il y a certaines personnes dans la Bible, ils ont vaincu à cause de leur persévérance. Il y a une chose qui fait fuir l'ennemi, c'est la persévérance. Quand l'ennemi voit quelqu'un qui est déterminé, qui est persévérant, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de lâcher. Il faut refuser d'abandonner. Refuser de douter. S'accrocher, persévérer. La Bible dit, persévérer dans la prière. Prier, prier, persévérer. La Bible dit même, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit aussi, il faut imiter ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent les promesses de Dieu. Hébreux 6, verset 13. Il faut la foi, mais il faut aussi la persévérance. Il y en a qui ne persévèrent pas. Moindre pépin, il lâche, il abandonne. Il y en a, tu le vois aujourd'hui, il est ici. 6 mois. Après, il abandonne. Non, il faut continuer. Refusez d'abandonner. Il faut abandonner si tu as la victoire. Tant que tu n'as pas la victoire, il ne faut pas abandonner. Priez. Priez. Continuez à chercher Dieu. Continuez à résister. La victoire est dans la persévérance. Il y a des gens comme Isaac, Joseph. Ils ont vaincu l'opposition. Ils ont vaincu les attaques. Parce qu'ils ont persévéré. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu bénit sa parole. Amen. C'est l'école